Bonjour, nous nous retrouvons pour l'histoire du vendredi. Aujourd'hui, je vais vous raconter Sur les genoux de maman, un livre de Anne Herbert Scott et Glo Coalson aux éditions de l'École du Loisir. Bon visionnage! Michael est assis sur les genoux de sa maman. En avant, en arrière, en avant, en arrière, il se balance. « Prenons la poupée !» dit Michael. Une seconde plus tard, Michael et sa poupée sont sur les genoux de maman. En avant, en arrière, en avant, en arrière, il se balance. « Mon bateau s'ennuie tout seul !» dit Michael. « Prenons le bateau !» Michael grimpe sur les genoux de maman, avec son bateau d'un côté et sa poupée de l'autre. En avant, en arrière, en avant, en arrière, il se balance. « Je veux ma couverture d'élan !» dit Michael. Michael enroule bien soigneusement sa couverture d'élan autour de son bateau et de sa poupée. En avant, en arrière, en avant, en arrière, il se balance sur les genoux de maman. Toutou veut venir aussi, dit Michael. Michael, le bateau, la poupée et Toutou se blottissent tous ensemble sous la couverture d'élan et sur les genoux de maman. En avant, en arrière, en avant, en arrière, il se balance. Ah, j'entends bébé pleurer, dit maman. Bébé aussi voudrait se balancer. Il n'y a plus de place, dit Michael. Voyons ça, dit maman. Michael et le bébé se serrent fort contre maman. Le bateau, la poupée, Toutou sont dans les bras de Michael. La couverture d'élan les enveloppe tous dans la même chaleur. En avant, en arrière, en avant, en arrière, ils se balancent. C'est bon, dit Michael. Sa maman le serre fort. « Tu sais, c'est amusant, » murmure-t-elle. « Il y a toujours de la place sur les genoux de maman. » Et voilà, mon histoire est terminée.